Bonjour à tous. Salut. Alors là, du coup, on va se faire un petit trip en Ardennes. Donc, on est actuellement à Monthermé. Comme vous pouvez le voir, il neige, donc c'est cool. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, le programme, c'est Aurore ? Alors du coup, on va faire une randonnée à Monthermé. Et ensuite, nous allons aller sur le site du Roc La Tour. Justement, où il y a une petite légende qu'on vous racontera. Avec un pique-nique, voilà. Avec des produits bien ardennais comme toujours. Voilà, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour les images. Alors là, du coup, dès le début de la randonnée, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, le parcours qu'on est en train de faire, c'est le parcours de la Roche à 7 heures. Et tout de suite, ça grimpe bien. Donc c'est un petit parcours très court. Hein. Là, il neige bien. Et du coup, c'est un parcours de 1h30 qui nous emmène à 320 mètres d'altitude. Voilà, il n'y a plus qu'à grimper. Alors comment ça va, Amélie ? Vraiment c'est super. Là on est bien, bon, on connaît bien ce parcours, hein, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous emmène nous voir. Et là c'est vachement féerique. La neige elle tombe tout doucement, c'est super beau. Quoi. Alors là, ouais, y a un petit peu de brume, mais normalement, on devrait avoir une belle vue. Mmh. Boum. Oh ouais, magnifique. Mmh. Là-bas, la lune. Ouais. Wow, avec les nuages gris, là, ça pète. Voilà, donc vous avez Monthermé en dessous. Et là, comme vous pouvez le voir, on a bien grimpé. Donc là, vous avez la vallée de la Meuse, notamment Monthermé en bas. Et une chose intéressante à savoir, c'est que bien sûr, vous avez la Meuse qui traverse. Mais cette vallée, on l'appelle aussi la vallée de la Semois. Donc la Semois qui est une rivière qui prend sa source à Arlon en Belgique et qui se termine justement, qui rejoint la Meuse ici à Monthermé. Voilà. Vous avez vu la vue magnifique. Maintenant, on se dirige vers ce qu'on appelle la Roche à 7 heures. On a de la chance hein, avec le soleil. Bah c'est vrai que ouais, encore un temps magnifique. Et toi regardez-moi cette belle bouche. Ouais. On va s'approcher un petit peu. Vous pouvez voir les couches. Vous voyez les couches là, si on se rapproche. Voilà, c'est ce qu'on appelle une roche de schiste. C'est ça, les couches de sédiments. Très atypique. Ouais. Alors,
vous voyez la neige qui cache le caillou, faut faire super gaffe. Ouais. Putain, la vidéo elle est épique, Émilie. Donc voici la fameuse roche à 7 heures. Ok. Puis bon. Là on voit d'autant mieux la boucle. Ouais. Donc vous avez vu ce qui est bien avec cette randonnée, c'est vraiment qu'on a des points de vue tout le long. Ouais. Tout le long de la balade. Voilà, parce que pour 1h30 on va. C'est vraiment une petite randonnée. Ouais. Intense, sportive. Avec des jolis points de vue, pas mal d'espace pour se poser, les bancs, etc. Donc c'est vraiment une chouette petite balade. Ouais. Là du coup, on va redescendre tranquillement et il est 11h30. Donc maintenant, direction Roquelatour pour aller déjeuner. Bon, on est arrivé sur le site du Roquelatour. La voiture patinait un peu, mais Aurore a géré. Voilà. Alors, comme vous voyez, là il y a le parking et nous sommes dans la forêt domaniale de Château-Renaud. Régnaud. Nous sommes sur le site du Roquelatour. Je crois que c'est la première fois que je vois le Roquelatour sous la neige. Ah, moi aussi. Ouais. Oh, c'est joli. Ouais. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un site quand même très large, avec ses grosses roches, voilà, un peu partout. Et donc là, on se dirige vers l'un des points de vue mythiques du lieu. Voilà, le roc, la tour. Donc, vous comprenez pourquoi on dit la tour ? C'est immense. Nous allons vous raconter l'histoire et la légende du roc, la tour. Le château du diable. Dressé en un équilibre invraisemblable, ces deux masses rocheuses dominent la vallée de la Semois et vous offrent une vue magnifique avec ses fonds riants où est niché le village d'Aulmé. Au pied, la vallée se resserre. La rivière précipite son cours, ce sont les rapides de Fade. La légende du Roquelatour nous raconte qu'un seigneur avait une femme jeune et belle, fière et ambitieuse, mais sans castel digne de l'abriter. Il vit un jour venir à lui un personnage qui le fit rougir de sa pauvre maison et lui proposa, en échange de son âme, de bâtir un magnifique château
où sa femme aurait enfin une demeure digne d'elle. Le seigneur reconnut le diable et conclut le marché. Selon son habitude, Messire Satanas devait construire l'édifice en une nuit avant le premier chant du coq. Il se mit au travail avec son équipe de lutins et de diablotins. Le château était pratiquement terminé. La dernière pierre allait être déposée quand un coq chanta au fond de la vallée. Le diable était pris. Dans la colère, il jeta sa toque contre les murailles et tout s'écroula. Ces débris forment aujourd'hui le roc La Tour. Mais chacun sait que ces pierres portent aussi le nom de château du diable. Donc vous connaissez maintenant la légende du roc La Tour. Et donc maintenant, plus rationnellement, c'est un site d'escalade. Voilà. Il y a énormément de groupes d'escalade qui viennent ici. Donc amateurs d'escalade, vous serez servis. C'est beau. Donc, vous avez ce petit coin de pique-nique juste avant la vue du roc La Tour pour vous installer à côté du parking. Alors, du coup, on est parti sur la salade au lard. Donc, la salade au lard, c'est une spécialité ardennaise. Et pour ça, on a choisi une entreprise ardennaise. Donc, saveur d'Ardennes. On l'a encore jamais goûté, celle-là. Ouais. Avec ça, on est parti sur... À votre avis, on est parti sur quoi? Dites-le en commentaire. Eh bien, nous sommes partis sur des bières. Voilà, voilà, des bières. Mais pas n'importe quelle bière. Ouais. Ici, on est vraiment sur un lieu mythique de contes et légendes. Donc, on est parti sur la bière Bayard, qui est le cheval légendaire des légendes du coin. Notamment de la légende des quatre fils Aymon. On vous en reparlera dans une autre vidéo. Voilà donc la petite légende du cheval Bayard, on va vous la lire. Donc fils d'un dragon et d'une serpente, renommé pour sa force et son intelligence, Bayard, le légendaire cheval fée, aida les frères Aymon à fuir la colère de l'empereur Charlemagne. Image forte de notre culture locale, le destrier continuerait d'errer dans la forêt d'Ardennes. Elle sent un peu le vinaigre. Ouais. Et en effet, c'est bien qu'elle sente le vinaigre parce que dans la salade au lard, traditionnellement, on met un peu de vinaigre dedans. Voilà, vinaigre blanc généralement. On vous a rapproché un petit peu avec nous. Mmh. Il est revenu le rouge-gorge. Mmh. Il y a un rouge-gorge, j'ai jeté un petit peu de pain. Mmh. Il y a un rouge-gorge qui vient nous demander du pain à chaque fois en ce moment. Mmh. Elle est belle, hein? Ouais. Franchement. Regardez-moi ça. Comme c'est simple. Ah, merci. Oh, bah, santé. Ah, santé. De la flamme pour la salade. Il est depuis tout à l'heure. On va donner un petit peu de pain. Alors monte-nous cette salade là. Waouh. Ça commence à bien fumer. Ah ouais. C'est bon. Ouais. Ça sent bon. Ouais. Je vais récupérer mon assiette. Ouais. Ouais. Ça va faire du bien ça. Ouais. Bien chaud. Bon, en vrai, on aurait pu ne pas prendre la deuxième assiette, mais. Ouais. Ouais. Elle est belle, hein. Ouais. Ça fait une belle salade. Avec des beaux petits lardons. Ah bah tiens, on a changé de cuillère.
Ah ouais. Bah bon app. Hein. Ouais, bon app. C'est bien chaud. Ouais. Ouais, elle est bonne. C'est bien chaud. Elle est bonne, ouais. Elle est très bonne. Elle a du goût. Ouais. Le vinaigre, il est bien dosé. Mmh. C'est parfait. Franchement, saveur d'Ardennes, salade de lard, validée. Mmh. C'est super bon. Ah, en plus, quand il fait froid, un repas bien chaud, ouais, comme ça, c'est parfait. Rien de tel. Ouais. Le plaisir de la vie. Mmh. Il caille. Mmh. On a froid aux mains, mmh, mais on mange un bon repas bien chaud au milieu de la forêt. Mmh. Quoi de mieux, quoi. Ouais. Ah oui, et donc à la base, la salade au lard, initialement, ça se fait avec du pissenlit. Mm. Voilà, donc là, c'est de la salade. Mm. Mais généralement, quand on utilise de la salade, on utilise de la scarole. Ouais. Voilà. Mais à la base, c'est du, on récupérait les pissenlits. Mm. C'est plus amer, par contre, avec le pissenlit. Et l'idéal, nous, on aime bien accompagner ça avec un œuf au plat. Ouais, on met un œuf au plat au-dessus et la petite bouteille de vinaigre pour ceux qui veulent à côté. Voilà. Bon, bah, c'est ici que s'achève cette vidéo. Ouais. On a été contentes encore une fois de promouvoir la vallée, nos produits, nos territoires, nos points de vue. Ouais. Et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à la prochaine.